tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo pour, vous avez peut-être déjà vu celle de Fée Bricoleuse. Je vous remettrai le lien de sa vidéo et de sa chaîne en barre d'infos. On s'était fait un échange, on devait se faire un échange pour notre anniversaire qui se passait toutes les deux en novembre 2017, on est en 2018, voilà. Puis on avait pris du retard toutes les deux et moi j'ai pris encore plus de retard, voilà, sur son cadeau. Et donc voilà, je vous présente son cadeau. Donc là, à l'heure qu'il est, si vous voyez cette vidéo, bah, c'est qu'elle l'a reçue, bien sûr. Donc je lui ai fait une boîte à thé, ou alors elle mettra ce qu'elle veut dedans, hein, bien sûr, mais je sais qu'elle aime beaucoup le thé. En cartonnage, donc c'est une boîte que j'ai fait entièrement de mes petites mimines, voilà, qui est faite en carton, donc c'est en carton bois et en carton normal et recouverte de tissu, voilà. Donc voyez, elle s'ouvre comme ceci, voilà, avec des petits casiers. Voilà, il y a 6 casiers pour ranger les différents thés, pour ranger, si elle veut ranger même des bonbons, hein, des biscuits, ce qu'elle veut, hein, ou alors si elle veut s'en servir pour son atelier aussi, elle n'est pas obligée de s'en servir pour le thé, hein, voilà. Donc, je vous la présente, là, elle a un petit tiroir, où elle pourra encore ranger des petites choses, voilà. Et donc ici, donc sur le couvercle, donc le milieu, ça fait comme avec un petit coussin, voyez, c'est rembourré avec de la mousse, voilà. Donc c'est de la mousse comme ceci, voilà. Donc j'en ai mis deux épaisseurs pour que ça fasse un petit coussin, voilà. Là, j'ai recouvert d'un tissu, alors est-ce que je l'ai ici? Oui. Un tissu effet cuir, comme ceci. Voilà. Et derrière, c'est un tissu noir. Donc, je le trouvais super beau. Il est en couleur un peu cuivrée. Donc, ça vient de la maison du tissu. J'ai le magasin près de chez moi. Et quand je l'ai vu, ben, j'avais craqué dessus. En plus, bon, du coup, j'en ai un très grand morceau. Donc, je vais voir ce que je vais faire d'autre avec. Et ensuite, donc, ce morceau-là, c'est un morceau. Alors, je ne sais pas, par contre, s'il m'en reste un bout pour vous montrer. Si. C'est un tissu que j'avais eu sur eBay. Comment elle s'appelle, cette vendeuse? Je ne sais plus. Écoutez, je vous remettrai le lien de sa page B. C'est comme autrefois, voilà, avec un K. C'est sa boutique, c'est comme autrefois, oui, voilà, avec un K. Elle a du très joli tissu. Et voilà, c'est le tissu que j'avais trouvé chez elle. Donc j'en prends régulièrement chez elle, j'aime bien. Donc là, c'était sur le thème de Paris avec la Tour Eiffel et tout. Donc ce tissu-là, ben, il est venu ici sur le coussin et sur tout le pourtour de la boîte. Voilà. Ensuite, là, le tiroir. Donc le tiroir, c'est un petit tissu. Donc celui-là, je crois que je l'avais eu à AliExpress. Donc c'est celui-ci. C'était un lot. Alors il y avait celui-ci avec, donc je me suis servi à l'intérieur, voyez, un Vichy violet. Et je ne sais plus lequel que j'avais encore avec, dans ce lot. Voilà. Donc là j'ai recouvert à l'intérieur du tissu avec. Je lui ai mis une petite poignée ancienne que j'avais achetée au salon de ce
scrapbooking de ah c'est où j'ai été avec Coco. Enfin, je me rappelle plus le nom de la ville. Je vous avais fait un reportage dessus. Voilà. J'ai décoré le tour du couvercle avec une dentelle. Donc celle-là vient de Action. C'était une dentelle autocollante. J'ai encore le fil du pistolet à colle. J'ai mis des petits décorations vintage de Action. Celle-là, vous les connaissez, hein, c'est de cela. Ouais. Donc là devant, j'en ai mis sur le côté, j'en ai mis derrière, voilà, et encore une sur le côté. Voilà. Sur le dessus, j'ai décoré avec des fleurs qui viennent de chez AliExpress, des feuilles aussi. Donc c'est des fleurs en mousse. Voilà, donc là il y en a une toute seule avec ses deux feuilles dorées. J'avais plus de feuilles cuivrées malheureusement, ça aurait été mieux, mais bon, j'en avais plus. Bon, j'ai moins des petites taches de colle malheureusement, et j'ai pas su les enlever, c'est dommage. Donc là je vais faire une petite tirette pour soulever le couvercle. Alors, par contre, en dessous, sur le dessous, j'ai fait en liège, donc c'est pas le liège d'Action, hein. C'est un très gros rouleau de liège que j'ai, que l'on peut mettre sur les murs quand on veut tapisser son mur en liège. Et donc, j'ai de la colle encore. Et je mets souvent ça quand je fais mon cartonnage, ça évite d'user la boîte et d'abîmer. Ou alors quand on veut la mettre sur un meuble en verre par exemple, ça évite d'abîmer. Voilà, donc après on soulève. Donc là le fond est fait avec le même tissu que le tour de la boîte. Voilà, et l'intérieur, voilà, voyez. Donc les cases, oh désolé mon téléphone. Les dessus des cases a été fait donc avec le tissu rose dont j'ai fait le tiroir. Voilà, donc je l'ai dit, il y a 6 cases. Et ça a été recouvert à l'intérieur, vous voyez, d'un tissu marron à petit pois. Alors il doit m'en rester une chute, voilà, celui-ci. Il vient aussi d'AliExpress. Et dans le fond, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est le Vichy violet. Voilà. Alors là, sur le côté, tout du long, j'ai mis une fine dentelle. Ah, j'ai Fifi qui gratte à la porte. Attendez. Tu veux venir dire bonjour? Hein? Tu veux venir dire bonjour? J'ai entendu que je faisais une vidéo. Alors, je vous disais, là, tout autour, donc, j'ai mis une fine dentelle. Celle-là, je ne sais plus d'où elle vient, par contre. De Pickwick, je crois. Oui, je l'avais acheté à Pickwick. Voilà. Et là, c'est grosse mémère. Voilà. Donc malheureusement j'avais commencé à filmer tout le détail de la fabrication de cette boîte, mais j'ai perdu la vidéo, donc j'ai pas pu, mais bon, à l'occasion je vous ferai des vidéos de cartonnage, peut-être pas celle-là, parce que celle-là m'a pris énormément de temps, mais bon, c'est pas un problème. Mais je vous ferai des vidéos de cartonnage, il n'y a pas de problème. Donc voilà la petite boîte que j'ai faite donc pour Fée Bricoleuse, donc pour son anniversaire.
Donc moi j'aime bien, voilà. Donc là derrière j'ai mis un petit galon pour pas que l'on voit la découpe du tissu, enfin oups, j'étais hors champ, excusez-moi, qu'on voit les joints des tissus, les raccords, voilà, les raccords de tissu. Donc j'ai mis des petits galons là. Bon. Moi j'aime bien, voilà. Donc j'espère qu'elle lui plaira également. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, bon, il y a quelques petits défauts quand même, mais bon, c'est des petits défauts à la découpe. Hein. Et ça va. Je pensais peut-être mettre une dentelle ici et ici, mais je vais voir. Juste avant de l'emballer, je vais voir, voilà. Donc voilà, donc c'est le petit cadeau que j'ai fabriqué pour Fée Bricoleuse, donc une boîte à thé en cartonnage. N'hésitez pas à me dire en commentaire que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez voir aussi des vidéos dans ce genre dans le cartonnage. Je vous ferai des vidéos tuto dessus, voilà. Bon, il y a des modèles très très simples, hein, que je peux vous faire si vous ne connaissez pas du tout le cartonnage. Et non, on ne vient pas te frotter dessus, c'est pas pour te frotter. Donc là maintenant je n'ai plus qu'à lui mettre, donc je vais lui mettre des petits cadeaux dedans, je ne les ai pas préparés encore, et je vais lui mettre des bijoux que moi j'ai fait, et je vais bien sûr lui mettre des petits sachets de thé, et puis je vais voir des petits bonbons, je vais voir ce que je vais lui mettre, des petits bricoles, voilà. Et ça va partir donc pour la Suisse, voilà. Une petite boîte à thé pour la Suisse. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez. Si vous voulez que je refasse ce genre de bricolage en vidéo, en tuto. Et également, voilà. Vous pouvez toujours me dire de toute façon en commentaire, hein, ce que vous avez envie de voir dans mes vidéos, il n'y a aucun problème. J'ai pensé, c'est cette nuit, à un tuto. Oui, même la nuit, vous voyez, je pense à des tutos. Donc, une boîte à explosion, mais un peu spéciale. Voilà, je vous en dis pas plus. Il faut que je mette ça sur papier, voir si ça fonctionne. Et puis donc du coup vous faire le tuto pour vous montrer, voilà. Je vous laisse donc pour aujourd'hui avec ma grosse fille, hein, ma grosse mémère, oui, ma mère, oh là là. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, à bientôt, bisous.